Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Tu sais ce que c'est un apiculteur? Moi, j'ai été apiculteur. Tu as bientôt fini, Titus? Encore quelques fleurs à soigner et je suis à toi. Oh, la vaillante petite bête. De qui parles-tu? Viens voir, Bérénice. Viens, tout doucement. Ne fais pas de bruit, hein? Que regardes-tu? Vois, une abeille. Elle est en train de butiner. Elle mange la fleur? Non, elle ramasse le pollen. Tu en sais des choses, Titus. Et puis, elle ira faire du miel. Là-bas aussi, il y a une autre abeille. Il doit y avoir un essaim quelque part. Un quoi? Un essaim. C'est toute la famille, quoi. Toutes les abeilles ensemble. Elles habitent quelque part, ces abeilles? Bien sûr. Elles font leur miel dans une ruche. Mais ici, il n'y a pas de ruche. Ça, c'est vrai. Eh bien, nous allons leur en faire une. Tu sais en faire des choses, Titus. Mosca, je m'ennuie. Va me chercher, Titus. Je lui ferai donner quelques coups de bâton, ça me distraira. Ah, grand Yaka, mais Titus n'a rien fait de mal. Justement, il n'a rien fait ni bien ni mal, alors c'est un incapable. Va me le chercher, Mosca. Oh, tout de même, grand Yaka, tout de même. Oh, la jolie petite maison d'abeille. Voilà, je termine le toit et elle est prête. Oh, et elles viendront faire le miel ici? Oh, c'est charmant. C'est une ruche, n'est-ce pas? Et c'est moi l'apiculteur. Et je récolterai le miel. Oui, pour le moment... J'ai bien peur que tu ne récoltes que quelques coups de bâton, car le grand Yaka veut te voir. Allons bon, le grand Yaka, c'est pas du miel. Écoute, Mosca, laisse-moi raccompagner Bérénice à sa potiche. Après, j'irai voir le grand Yaka. Hein? Ah oui, d'accord, Titus. Je vais le faire patienter. Hé, Titus! Oh, où est Titus? Je vais le voir ici! Il viendra dans un instant. Il travaille, il soigne les fleurs. Je vais voir à ce travail. Ça m'amuse de voir travailler Titus. Titus! Titus! Tu te casses, hein? Tiens, une petite maison. On me l'avait cachée. On me casse tout, alors. Oh! Eh, oh, arrête! Oh, non, non! Au secours! Au secours! Oh, non! Au secours! Oh, non, maman! Maman! On m'a mordu! Au secours! Il faut s'approcher doucement pour ne pas effrayer les abeilles. Sinon, elles piquent. Ah, j'ai mis ma tenue d'apiculteur. Si Bérénice me voyait, elle me prendrait pour le lion au masque de fer. Par ici, le bon miel tout frais. Ah, oh, Titus, Titus, quelle affaire! Oh, oh, c'est un cauchemar. Oh, c'est bien toi, Titus. Mais oui, Mosca. Tu veux goûter au miel de mes abeilles? Oh non, pas de miel pendant le service. Titus, il faut que tu ailles chez le grand Yaka. Oh, c'est vrai. Je l'avais oublié. Comment est-il? Oh, tu verras. Tu verras. Oh, oh, maman! Maman, que je souffre! Arrêtez, assassin! Bourreau sauvage! Oh, mes petites mains si belles! Catastrophe! Il s'est fait piquer par mes abeilles! Oh! Viens ici, Titus! Viens soigner mes petites mains défigurées, toutes gonflées! Voilà, grand Yaka, voilà! Un peu de douceur! Goûtez ce miel et vous oublierez toutes vos souffrances. Oh, c'est bon. C'est doux, ça me fait du bien. Encore un peu de miel. Titus, tu es un bon petit lion et tu n'auras pas de coups de bâton. Donne-moi encore du miel. Elles sont gentilles, les abeilles. Le miel, c'est meilleur que les coups de bâton. Et après? Après, c'est une autre histoire.